La région du Poro est située à 600 km d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire. Elle couvre une superficie de 12 500 km² pour une population de plus de 700 000 habitants. Cette population est composée d'autochtones xénophones, d'allochtones originaires de diverses régions de la Côte d'Ivoire et d'allogènes ressortissants des pays de la CEDEAO. À la fois singulier et pluriel, cet exceptionnel melting pot est le ciment de cette région en progrès constant. La région du Poro est composée de 4 départements, Dikoudougou au sud, Mbengue au nord, Kourougo, chef-lieu de département au centre, Sinematiali à l'est. Historiquement, le peuple Sénoufo trouverait ses origines dans l'ancien empire du Mali, d'où il aurait migré pour s'installer dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le peuple Sénoufo est composé d'une cinquantaine de sous-groupes. Les sous-groupes que l'on rencontre dans la région du Poro sont les Tiembara, les Fodonan, les Nafara, les Kafiré. Un trait caractéristique du peuple Sénoufo se révèle être le Poro qui, du reste, a servi de dénomination à la région du Poro. C'est vrai, on parle de modernisation, mais on ne peut pas oublier aussi la tradition. Nous sommes toujours plongés dans la tradition, les fétiches et autres, tout ça là, les Sénoufos, voilà, les charlatans, les fétiches, le Sénoufo ne peut pas l'oublier. Voilà, c'est notre tradition que nous ne pouvons pas rejeter. Le Poro est la formation et l'initiation de tout jeune Sénoufo. C'est aussi une organisation séculaire, fondée sur des bases rituelles et traditionnelles. Il sert de ciment entre les différentes composantes de l'organisation sociale et détermine le système de transmission des coutumes aux acteurs sociaux. Le siège social du Poro est le bois sacré, lieu par excellence protégé et réservé aux seuls initiés. Le relief de la région du Poro est caractérisé par un vaste ensemble de plateaux surmontés par endroits de quelques élévations isolées constituées de dômes granitiques et de collines. Le climat se caractérise par un climat tropical soudano-guinéen, marqué par deux grandes saisons, une pluvieuse qui s'étend de mai à octobre, une sèche de novembre à avril. Quant à la végétation, elle est constituée de savanes herbeuses et arborées. On note cependant la présence de forêts galeries tout le long des cours d'eau. Riche de plus de 700 000 habitants, la population du Poro est un remarquable exemple d'intégration avec une population d'étrangers. Peuple d'agriculteurs, les habitants du Poro restent attachés aux valeurs de solidarité et de discipline alliées à toute détermination et à toutes épreuves. L'émergence de la région du Poro repose sur une gestion plus rigoureuse et plus performante de ses potentialités économiques. Une agriculture plus diversifiée, alternant culture vivrière et culture d'exportation, très appréciée sur le marché national et international. Le coton appelé l'or blanc est la première principale culture de rente de la région. Aujourd'hui, la filière est en plein essor. Tous les signaux sont au vert. L'élevage tient aussi une place prépondérante dans l'économie de la région. Cette activité, à la fois traditionnelle et moderne, est orientée vers l'élevage des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et de la volaille. Même dans un environnement économique difficile, les autorités locales continuent à investir et développer de grands chantiers. C'est pour relever ce défi ambitieux qu'ils ont doté la cité d'éléments de développement fort capables de contribuer au développement de la région du Poro. Sur le plan scolaire, la première chose à faire, c'était de remettre la région du Poro au moins au même niveau d'éducation que l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, poursuivre cette action et faire en sorte que notre souhait
se réalise, c'est de voir chaque enfant né dans le Poro aller à l'école et avoir toutes ses chances de réussite effectivement dans l'avenir. Donc ça a été vraiment le programme que nous avons commencé. Ensuite, il n'y avait pas d'eau. Tous les puits pratiquement étaient à sec. Puis là, on avait fait quelques aménagements. L'eau avait tari. Donc il fallait effectivement se donner comme objectif de redonner de l'eau pratiquement à la plupart des villages et la plupart des hameaux. Ensuite, la santé. Bon, centre de santé, il n'y avait pas. D'abord, les centres de santé qui existaient étaient en délabrement. Et puis, les infirmières ou les médecins qui y étaient avaient pratiquement disparu. Bon, donc ça, il fallait effectivement faire un effort particulier au domaine de la santé pour faire revenir tout ça. Et puis, mais quand vous regardez également, vous voyez que, bon, du point de vue économique, c'est la même chose. On parle aujourd'hui de la COP21, c'est le changement climatique. Mais nous sommes en train de ressentir effectivement le changement climatique effectivement dans nos régions. Et l'agriculture était pratiquement en panne. Tous les grands marigots qu'il y avait ont pratiquement séché. Donc il fallait faire des installations importantes pour que l'eau soit retenue et que l'agriculture puisse effectivement reprendre. Voilà, c'est ce genre de travail que nous avons eu effectivement à faire. Et nous avons demandé qu'on fasse effectivement un plan de développement. On a eu un programme de développement local qui a été établi, qui met l'accent sur le point effectivement que j'ai élevé. Bon, en parlant de ça, je n'ai pas parlé du tourisme. Vous allez me dire, c'était une région extrêmement prisée. Parce que bon, déjà, quand vous voyez les poros danser, effectivement, ça vous dit quand même qu'il y a quelque chose à voir effectivement dans la région. Toute cette région, quel que soit le département où vous trouvez, il y a des choses particulièrement intéressantes à voir. Que ce soit à Dikodoukou, que ce soit à Mbengue, que ce soit à Sinematiali, que ce soit à Korogo même, mais il y a plein de sites touristiques qu'il faut venir voir. Et nous avons pensé effectivement faire en sorte que cette région du Poro redevienne le grenier qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, qu'elle redevienne une direction touristique connue, incontournable, et que les habitants, les citoyens de la région du Poro se sentent des citoyens à part entière. Le commerce représente la seconde activité principale après l'agriculture. Autochtones Senfo et Halogène se livrent à la concurrence sur les marchés. Au cours de ces 10 dernières années, le commerce des engins à deux roues et des produits accessoires s'est développé dans le nord de la Côte d'Ivoire, particulièrement dans la capitale de la cité du Poro. Avec 4 unités d'égrenage de coton et une dizaine d'unités de traitement et de conditionnement de la mangue et une zone industrielle en création. Avec de nombreuses potentialités touristiques à valoriser, comme c'est le cas avec les tisserands de Warniené, les vanniers de Torgokara, la case sacrée de Niofouin, les toiles peintes de Fakara, cela s'ajoute un riche folklore très varié, tel que le boloy, le balafon, ainsi que les réceptifs hôteliers et avec un sous-sol qui est constitué de roches qui encaissent la minéralisation aurifère. La région du Poro incarne désormais la locomotive de la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Thank you.
De nombreux services administratifs et directions régionales des ministères sont installés au chef-lieu de région, à savoir la préfecture du département de Korogo et préfecture de région, la mairie de Korogo, le tribunal de première instance, la trésorerie générale, le contrôle financier et 24 directions régionales représentant la quasi-totalité des différents ministères civils. Korogo est également doté d'une résidence du chef de l'État, y compris tous les services liés à la sécurité nationale. En matière d'infrastructure, Korogo, le chef-lieu du département, dispose d'un centre hospitalier régional, CHR, de plusieurs lycées, collèges, établissements supérieurs, d'écoles primaires et préscolaires, d'une université publique dotée d'un centre régional, des œuvres universitaires, d'une maison d'arrêt et de correction, de la quasi-totalité des filiales, des établissements bancaires et d'assurance. L'ambition des autorités du Poro est de bâtir une économie saine, diversifiée et prospère en mettant l'homme au cœur de leur action. Korogo a beaucoup changé. Je pense que les visiteurs qui venaient à Korogo il y a quelques années, lorsqu'ils arrivent, sont surpris par l'allure de la ville. Mais cela date depuis 2013, à la faveur de la visite du chef de l'État. Je crois qu'il y a des sommes énormes qui ont été injectées dans le développement de notre région. Korogo est ouvert. Korogo appelle tous ceux qui veulent venir, les investisseurs, comme les touristes. Korogo est retenu pour la CAN 2021. Pour cela, nous avons des stades qui seront construits. Nous aurons des hôtels, de nouveaux réceptifs hôteliers qui seront construits. Donc vraiment, Korogo, c'est une destination qui bouge. Et j'ai coutume de dire aux gens, nous sommes déjà une ville émergente. Ici à Korogo, c'est un pays d'hospitalité, une terre d'hospitalité. On reçoit tout le monde ici. Tant mieux si l'investisseur vient à Korogo, c'est pour l'évolution de la ville. Alors donc, on ne peut que l'encourager et lui rassurer que toute fois qu'il vient à Korogo pour investir, il n'y a pas de problème. Le vieux Gbon Koulibaly, le patriarche Gbon Koulibaly, le disait, celui-ci, sa terre de Korogo, il n'a jamais souhaité qu'on charge un étranger de ses barrages, mais plutôt qu'on le décharge. Rejoignez-nous et allons ensemble, tous confiants, vers l'émergence qui pointe à l'horizon 2020. La cité du Poro, une destination prometteuse.